Salam alaikum à tous, Ismo 38 depuis Grenoble, Coca 00 défaite. Donc, je viens aux nouvelles. Hein. Donc, Bassem est placé en isolement. Depuis 2-3 jours déjà. Voilà pourquoi il n'y aura plus de vidéos de Bassem Raiki. Bassem Raiki, vous verrez plus de vidéos de lui en promenade, etc., etc. Donc, tout ça, toutes les images que vous avez pu apercevoir au début. Bah voilà. En fait, si vous voulez, bah, il a voulu tenter quand même voir s'il avait sa place aux promenades. Mais malheureusement pour lui, les choses, la fête n'a pas duré longtemps. Ils l'ont tout de suite remis à sa place, des moqueries, etc., etc., comme vous avez pu le voir. Il y a mon informa, la personne qui m'informe. M'a bien confirmé que Bassem est en isolement. Donc, à partir de maintenant, ça sera très 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 dur d'avoir des vidéos de Bassem Raiki vu qu'il est en isolement. Et aussi, j'ai un message à faire passer à toutes les hypocrites qui sont là à critiquer. Ouais, mais pourquoi tu veux l'enfoncer? Pourquoi tu veux créer des problèmes, etc., etc. Moi, je vais vous dire un truc. C'était pareil avec Coco T'inquiète. J'avais une chaîne qui avait 2K5. Quand Coco T'inquiète est rentré en prison, j'ai fait des vidéos sur lui aussi pour dénoncer ce qu'il faisait, ce qui n'était pas bien. Tu vois? Par contre, ça, personne n'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'est un black. C'est un black que un black est en prison, que tu fais des vidéos sur lui, ben, soudain, personne n'en parle. Même, limite, vous le partagez, vous rigolez. Je me rappelle, je l'avais mis cette vidéo. Je mettais des vidéos de Coco T'inquiète sur ma chaîne qui a pété. Il y avait des 100K, des 100K, des 200K, des 400K. Hein? Et personne critiquait. Limite, vous l'insultez, vous le traitez de macaque, etc., etc. Et quand c'est passé aujourd'hui, ah ouais, c'est pas bien. C'est un frère, etc., etc. Oh, Bassem, c'est pas un saint. Ok? Bassem, déjà, tout ce qu'il a fait, voleur, escroquerie, mot raciste, etc., etc. Il a fait ce que Coco T'inquiète ne ferait même pas à la moitié. Tu vois? Donc maintenant, vous vous étonnez. Ouais, c'est pas bien de cracher sur quelqu'un qui est en prison. Mais vous êtes des teubés. Wallah, billahi, j'arrêterai pas. Donc d'ailleurs, juste après, pour vous rafraîchir la mémoire, un petit peu, je vais publier comment dire, des anciennes publications que Bassem, la Haïja, il a escroqué même des morts. Hein, quelqu'un qui est mort, il a fait une cagnotte pour le voler. Mais bon, de toute façon, à vous de voir, à vous de juger. Sachez très bien que Bassem n'est pas le premier qui rentre en prison, que je fais des vidéos sur lui, et ça ne sera pas le dernier, et je ne vais pas m'arrêter là. Vous avez beau dire arrête ci, arrête ça, parce que vous, bande de fils de pute qui dit arrête de parler de Bassem, parce que vous êtes des putains de communautaristes, vous êtes des putains de racistes. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que je parle de Bassem. Quand je parlais de Coco T'inquiète, personne parlait, personne ne me disait Ismo arrête. Maintenant que je parle de Bassem, alors bande de fils de pute, vous ouvrez votre gueule. Ah bah niquez vos mères, la pute, bande de fils de pute. Bon, sur ce, excusez-moi, je suis un peu énervé parce que quand je vois ces putains de communautaristes qui veulent, en fait, parce que leur technique, c'est ça, hein. Ah ouais, tu t'attaques un frère, c'est un musulman comme toi. En fait, à chaque fois que tu attaques Bassem ou autre, ça y est, ils vont dire quoi? Ouais, arrête, c'est un frère musulman, etc., etc. Un frère musulman qui fait des trucs, je le dirai. Et tu fais des choses pas bien, je le te dénoncerai. Que tu sois Bassem, que tu sois Coco T'inquiète, que tu sois je sais pas quoi, je le dénoncerai. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et restez branchés. Dès qu'il y a des nouvelles ou quoi que ce soit, je serai le premier à vous partager ça. Sur ce, salam alaikum, Ismo 38, Coca 00 défaite, on est dans la maison. Si, si.